Jésus pas puissant et non pas puissant. Jésus pas puissant et non pas puissant. Bonjour, bonsoir, salut, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On fait encore, je dis à cet esprit, bon Dieu, entrer la caille, dans le lieu très saint, qui c'est esprit, nous, qui c'est que nous, selon le prophète Ézéchiel. Donc, quel que soit côté, comme d'habitude et comme toujours, après l'enseignement ça, dans tout coin du monde là, eh bien, bonjour, bonsoir, salut, porte-parole, Saint-Esprit, hein, moi-même, qui également, qui c'est micro, Saint-Esprit, hein, eh bien, pral palavo. Saint-Esprit, mon Dieu, a palavo à travers micro, qui c'est moi-même, qui c'est journaliste, lui, journaliste lui et reporter de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, petite leçon pour jeudi, c'est exactement ça. Non, Jésus, pas puissant. OK? Donc, le titre de la leçon, c'est Jésus, pas puissant et non, lui, pas puissant. Jésus, pas puissant et non, lui, pas puissant. Donc, c'est Gemoun qui a saisi là pour attendre Jésus pas puissant et puis non li pas puissant non plus. Eh bien, frère, en pile fois, on a prié, nous remet dit ça. Nous remet terminer prier nous comme ça. Dans le puissant nom de Jésus, pas vrai? Dans le puissant nom de Jésus. Donc, Gemoun qui dit dans le précieux nom de Jésus, ça n'a pas de problème. Dans le précieux nom de Jésus, pas de problème. Mais l'ordre dans le puissant nom de Jésus, c'est là où font erreur biblique. Pour ne pas dire une faute biblique. Ou fait une erreur biblique. Pour ne pas dire une faute biblique qui est très grave. Moi-même avant, en tant que chrétien, en tant que petit bon Dieu, petit Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, non nous puissants. Raison. Parce que moi-même avant, le diable attendait non, non. Il y a un problème. Le diable attendait non, non. Il est contrarié. Ni même avec tout acolyte, ni même avec tout le démon. Depuis le temps de non, non, il est contrarié. Il y a un problème. C'est ça que fait. On obtient nos malfaiteurs. Toujours dit, lorsque l'homme cite non en tant que petit bon Dieu devant malfaiteurs, on obtient toujours le dos, parce que nous n'avons pas ça devant. Pas citer nos fils à devant, pas vle ou fils à, pas vle ou nek ça, pas citer nos ça à devant, pas citer nos kaïs à la kaïs, pas citer nos ça à la kaïs, pas citer nos ça ici là. Raison. Parce que non puissant, mais mes amis, si non puissant, non Jésus, qui c'est vrai Dieu, pas qu'à puissant. Dis-moi quel sens. Non Jésus, non ça, qui c'est Jésus Christ de Nazareth, pas qu'à puissant. Bon, on allait là. On regarde pour nous, dans Jean 19, verset 19. Nous songez sa parole, ça dit. Jean 19, verset 19. Mettez-nous dans le contexte là. Le, vous t'apprenez à clouer Jésus sous croix. OK? Écrit tôt, vous t'es préparé pour vous mettre sous tête. Vous t'es gagné à mettre sous tête. Il a cloué sous croix. Mais ça l'était écrit. Il était écrit en hébreu, en grec, en latin. Mais ça l'était écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc, ça dit non bagaille, pas vrai? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pendant ce temps, nous songeons dans l'histoire femme samaritaine, dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 21. Nous songez qui ça, Jésus t'a dit, femme samaritaine, non? Il t'a dit, le salut vient des Juifs. Donc, si le salut, la délivrance, hein, la délivrance vient des Juifs, et apôtre Jean dit, dans Jean 19, Saint-Esprit, mon Dieu dit, le roi des Juifs,
Jésus-Christ est le roi des Juifs. Or, le salut vient des Juifs. Ça veut dire Jésus-Christ, c'est roi des rois. C'est ça que fait l'apôtre Jean dit dans l'Apocalypse. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le dieu des dieux, etc., etc. Ça veut dire Jésus, non Jésus, pas qu'à puissant. C'est non moi-même avant qui puissant. Non moi-même avant qui puissant. Ça que fait, c'est non moi-même avant qui puissant. Moi-même avant, nous c'est selon 1 Jean 4, verset 6, nous sommes le Dieu. 1 Jean 4, verset 6 et 1 Jean 5, verset 19, nous sommes le Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier sous la puissance du malin. Donc, selon 1 Jean 4, verset 6 et 1 Jean 5, verset 19, moi-même avant, nous sortis dans bon Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes petits de bon Dieu. Mais, malgré que Paul a dit nous sommes de Dieu, mais qui s'appelle parce qu'on y a, dans Somme 8, verset 5, même parole bon Dieu a dit, nous sommes de Dieu, certes, mais dans Somme 8, verset 5, parole bon Dieu dit tout, moi-même avant, nous un peu inférieurs à Dieu. Ah, nous un peu inférieurs à Dieu. C'est une des raisons qui fait moi-même avant, nous pas tout puissants. Non, nous pas tout puissants. Mais bon Dieu, nous encore dans nous, il est tout puissant. Bon Dieu, nous encore dans nous, plus fort que diable, qui adversaire, avec acolyte lio. Mais nous pas tout puissants nous-mêmes. Nous puissants, non nous puissants. Donc, c'est simple. Eh bien, l'un a prié nous dit dans le puissant nom de Jésus, ouais, c'est une faute grave. Yeah, c'est une faute biblique à éviter. Ça veut dire, l'un a prié, n'a pas évité dit dans le nom puissant de Jésus, mais n'a dit dans le tout puissant. Au lieu de dire dans le puissant, dit dans le tout puissant nom. Dans le tout puissant nom de Jésus Christ de Nazareth, ou bien dans le nom tout-puissant, j'en vais placer, il n'y a aucun problème, syntaxiquement, qu'a dit dans le tout-puissant nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, ou qu'a dit dans le nom tout-puissant, il n'y a aucun problème, dans le nom tout-puissant, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a aucun problème. Mais évitez de dire dans le puissant nom, mais c'est dans le tout-puissant nom pour dire. Raison, parce que parole bon Dieu dit, non Jésus, tout-puissant, selon Hébreux 1, verset 4. Non Jésus, lit supérieur à non toutes anges dans ciel-là. Selon Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, selon Philippiens 2, Philippiens 2, verset 9, non Jésus, pas puissant, tout puissant. Et ça qui est plus belle là, non Jésus tellement puissant, il est tellement puissant, il est tellement de puissance là-dedans. Le non Jésus, le cité non Jésus, le monde cité non Jésus, même si c'est pas hasard, on radio, nouvelle, on musique quelconque, dit non seulement mot Jésus en pile de gaffettes en bas la mer dans le monde invisible ténèbres là en pile de gaffettes selon Philippiens 2 verset 10 afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans le ciel sur la terre et sous la terre. Wow, ça veut dire non ça moi même à voler dans nos cités. Diable a contrarié, il y a des problèmes. Mais les noms Jésus cité, ils sont tous tombés sous genoux. Satan le diable, avec toute acolyte, ils sont tombés sous genoux. Coubés, plat à terre. Les noms sont cités. Et puis, regardez, dégâts, tremblement de terre. Gros tremblement de terre. Fait dans le monde invisible. Gros tremblement de terre, les noms sont cités. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas ça, pas puissant.
Ah, mais sinon Jésus puissant, et non moi-même avant, comment dire? Et non nous avons puissance. Ouais, comment dire? Donc, c'est non moi-même avant qui puissant, mais non Jésus a dit tout puissant. Tout puissant. Dans le tout puissant nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, nous prenons, ouais, ça c'est non Jésus qui est tout puissant, pas vrai? Quand nous prenons, ouais, Jésus est tout puissant. Contrairement à un pile monde qui qu'on a dit, Jésus pas tout puissant, c'est papa qui est tout puissant. Monde qui pensait, Jésus gon papa vrai dans ciel là, gon papa gon petite. Surtout les témoins de Jéhovah. Il a toujours dit, Jésus puissant, papa le tout puissant. Eh bien, selon Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ a bouché dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ah bon, c'est là apôtre Paul joue une parole ça qui fait apôtre Paul dit dans Philippiens 2, 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Wow! C'est là, ok, apôtre Paul tiré parole ça dans Matthieu 28, verset 18. Nous allons dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et c'est à partir de parole ça, Jésus prononcé là, qui fait apôtre Jean, tout pour le dire dans Apocalypse 1, verset 8. Hein? Il pourrait écrire parole ça. Côté Jésus a parlé, dit je suis l'alpha et l'oméga. Et ben rappelez-nous l'alpha et l'oméga. Alpha c'est première lettre dans l'alphabet grec là et oméga c'est dernière lettre dans l'alphabet grec là. Donc l'on dit alpha et oméga en grec, c'est comme je te dis commencement et fin, le commencement et la fin, le premier et le dernier. L'éternel, celui qui est éternel. C'est ça le dit. Donc, Jésus a parlé dans Apocalypse 1, verset 8. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, avec le D majuscule. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Donc, selon Apocalypse 1, verset 8, Jésus n'est pas puissant, mais Jésus est Tout-Puissant. Apocalypse, selon Apocalypse 1, verset 8, Jésus est tout puissant. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 2, verset 8. Et Apocalypse 22, verset 13. Jésus est tout puissant. Nous avons des références. Apocalypse 1, verset 8. Apocalypse 1, verset 18, Apocalypse 2, verset 8, Apocalypse 22, verset 13, Jésus est tout puissant. Jésus n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Il est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Il est tout puissant. Donc, mes amis, ça clair. Et, il y a des gens qui ont dit, bon, c'est peut-être dans l'ignorance, mais nous allons apprendre ça ensemble. En essayant, ouais. On essaie de chercher révélation qui gagne pour nous terminer dans Ésaïe 9, verset 5. Qui sa prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 9, verset 5. Eh bien, ne songez pas à ça. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller. Nous allons dire admirable, dit créateur. Conseiller veut dire Saint-Esprit. Dieu puissant avec D majuscule et P majuscule. Et puis il dit Père éternel, le prince de la paix. Prince de la paix. Ouais, Père éternel. Ah, il faut souligner ça. Père éternel. Ça veut dire, on l'appellera Père éternel. Il n'est pas dit on l'appellera Fils éternel. Mais l'autre dit par exemple, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, ça veut dire, c'est le fils de l'homme. Un fils nous est donné, ça c'est le fils de Dieu. Ça veut dire, Jésus est à la fois le fils de l'homme et le fils de Dieu. Et on l'appellera Père éternel, conseiller. C'est le Saint-Esprit, pas vrai?
selon 1 Jean 2, verset 7, notre conseiller, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire, ouais, dans Jésus, je toute plénitude, la net Dieu, la divinité de Dieu. Donc, Jésus Christ est à la fois le Père, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Hein? Et clair, tout dans 2 Corinthiens 3, 17, Jésus est le Saint-Esprit. Il y a un seul Seigneur, selon Éphésiens 4, verset 5, et Jésus est le seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, selon Éphésiens 4, verset 5, je reprends, et Jésus-Christ de Nazareth est le seul Seigneur, selon Éphésiens, est le seul Seigneur, Jésus est le Seigneur, selon 1 Corinthiens 12, verset 3, je reprends. Il y a un seul Seigneur, selon Éphésiens 4, verset 5, et qui est le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, selon 1 Corinthiens 12, verset 3. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah, il n'y a qu'un seul Dieu. Son seul bon Dieu gagne, selon Éphésiens 4, verset 6. Pas vrai? Il y a un seul Dieu. Éphésiens 4, verset 6. Malachie 2, verset 10. Selon Malachie 2, verset 10, il y a un seul Dieu. Malachie 2, verset 10. OK? Donc, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant, selon Apocalypse 1, 8. Hein? Matthieu 28, verset 18. Il est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Père et le Saint-Esprit. Mm-hmm. Selon Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, ça veut dire, ça c'est la chair, le fils de l'homme qui a sa mère nommée Marie. Un fils nous est donné, ça c'est le fils de Dieu qui nous a donné le fils. C'est Dieu. C'est l'incarnation de l'esprit. Parce que, parole bon Dieu dit dans 2 Jean 1, verset 7, Jésus-Christ est venu en chair. Donc ça c'est l'explication de Jean 1, 1, la parole a été faite chair. Jean 1, 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans verset 14, et la parole a été faite chair. Ah, l'explication maintenant de Jean 1, verset 12, c'est 2 Jean 1, verset 7. Jésus-Christ est venu en chair. 1 Timothée 3, 16. Dieu a été manifesté en chair. Donc, prophète Esaïe est clair sur ça. Les deux. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, ça signifie créateur, Dieu. Conseiller, ça signifie Saint-Esprit. Dieu puissant, Père éternel, c'est pas Fils éternel. Donc, Jésus-Christ est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, mes amis, on suspend dans le puissant nom de Jésus. On dit dans le tout puissant nom de Jésus. Bon Dieu bénis-nous, bon Dieu gardez-nous, bon Dieu protégez-nous, bon Dieu sécurisez-nous. À demain, si Dieu le veut, pour l'autre enseignement. Bye bye.